L'analyse de l'huile de votre moteur diesel est similaire à une visite de contrôle chez le médecin. L'analyse de l'huile permet d'obtenir un rapport pour vérifier que tout est en ordre. En complément, il est possible de diagnostiquer le début d'un problème mécanique ou chimique. Comme vous allez le découvrir dans ce module, une bonne ordonnance suite au diagnostic peut souvent prolonger l'espérance de vie du patient. Le service d'analyse d'huile Donaldson, qui est assuré par des laboratoires indépendants, réalise les tests de qualité indispensables à une maintenance préventive de qualité. Notre but est de fournir, rapidement et à peu de frais, des informations très précises concernant l'état des moteurs et équipements de nos clients. Vous pouvez utiliser nos données et recommandations pour améliorer votre maintenance préventive et réduire les durées d'immobilisation de vos équipements. Vous pouvez également utiliser ces informations pour réduire vos dépenses globales en lubrifiant, en allongeant les intervalles de vidange d'huile. Que se passe-t-il si les niveaux d'impureté de l'huile du moteur sont ignorés Les contaminants dont les niveaux augmentent continuellement dans l'huile des moteurs diesel peuvent être regroupés en six grandes catégories. Première catégorie, la saleté ingérée. Elle peut pénétrer dans le moteur via la prise d'air, un joint de moteur défectueux ou une alimentation en carburant contaminé. Le silicone est la forme principale de saleté ingérée. Le moteur s'use à mesure que le niveau de silicone augmente. Deuxième catégorie, les éléments d'usure, produits de l'usure interne des composants du moteur. Le cuivre, le fer, le chrome, le plomb, L'aluminium, le nickel, le molybdène et le magnésium sont les éléments d'usure les plus courants. Troisième catégorie, la suie est en réalité du carburant partiellement brûlé. La suie pénètre dans l'huile lorsqu'un moteur est utilisé à un rapport trop élevé, sous régime, en raison d'un calage, d'une aspiration ou d'un échappement inadapté ou lorsque le moteur tourne au ralenti. La suie peut se former en plus grande quantité avec l'échappement des gaz et systèmes EGR, également avec des moteurs conformes aux normes d'émission plus récentes. À mesure que l'huile se dégrade, la suie s'accumule et forme des paquets qui augmentent l'usure. Un excès de suie peut également affecter la viscosité de l'huile. Depuis l'introduction des systèmes EGR, recyclage des gaz d'échappement, les niveaux de suie ont augmenté de manière significative et peuvent constituer un facteur de limitation des intervalles de changement d'huile. Quatrième catégorie le carburant présent dans l'huile. Il peut être provoqué par des injecteurs usés ou une fuite de durite, un filtre à air bouché ou un calage incorrect. La présence de carburant dans l'huile appauvrit l'huile, réduit la pression de l'huile et permet un dangereux contact des métaux entre eux. Une quantité excessive de carburant dans l'huile peut même entraîner des incendies ou explosions. Cinquième catégorie, l'eau. La combustion produit de l'eau qui est généralement éliminée avec les gaz d'échappement. L'eau peut toutefois se condenser dans le carter du vilebrequin des moteurs froids. De l'eau peut également être ingérée lors de l'ajout d'huile. La présence d'eau dans le moteur favorise la production d'acide, ce qui entraîne la formation de corrosion et d'usure. Sixième catégorie, le liquide de refroidissement. Il peut pénétrer dans l'huile moteur par un joint défectueux, une chemise arrachée, une tête fissurée, mais également par le bloc moteur, la pompe à eau ou une fuite du refroidissement du système EGR. Sur les moteurs équipés d'un système EGR, les gaz d'échappement doivent être refroidis avant d'être réintroduits dans la chambre de combustion. Ce refroidissement est effectué par un refroidisseur de système EGR utilisant du liquide de refroidissement pour réduire la température des gaz d'échappement. La présence de liquide de refroidissement dans l'huile entraîne un épaississement du glycol qui bouche alors les conduites et filtre à huile et provoque un rapide appauvrissement des additifs. Pour profiter du service d'analyse d'huile de Donaldson, suivez les cinq étapes importantes suivantes. Prélevez l'échantillon d'huile du moteur ou de l'équipement lorsqu'il est en marche, si cela ne pose pas de problème de la sécurité ou dans un délai de 30 minutes après l'arrêt. L'échantillon doit être représentatif de l'état réel du lubrifiant au moment de l'échantillonnage. Dans le cas contraire, la fiabilité des résultats du test peut être sévèrement compromise. Ne prélevez pas d'échantillons d'huile aux endroits où le débit d'huile est réduit ou aux emplacements dans lesquels les contaminants peuvent s'accumuler. Des accessoires, notamment une pompe d'échantillonnage et une vanne d'échantillonnage rapide, sont disponibles auprès de votre distributeur Donaldson local. Une fois le point et la méthode d'échantillonnage corrects sélectionnés pour un composant spécifique, les échantillons doivent toujours être prélevés au même point à l'aide de la même méthode. Étape 1. Remplissez le formulaire d'analyse d'échantillon, Sampling Processing Form, pour chaque échantillon. Étape 2. Informez le laboratoire de tout problème mécanique ou de fonctionnement rencontré avec le système échantillonné. Étape 3. Étiquetez précisément l'échantillon en veillant à ce que l'étiquette corresponde aux données du formulaire de traitement afin de permettre l'identification correcte de l'échantillon. Envoyez ensuite l'échantillon au laboratoire par l'intermédiaire d'un service de messagerie rapide. Nous vous recommandons d'envoyer rapidement les échantillons plutôt que de les garder pour expédition ultérieure. Enfin, examinez le rapport du laboratoire lorsque vous le recevez ou consultez-le en ligne. Vérifiez l'identification de votre équipement sur le formulaire. Ensuite, consultez l'analyse élémentaire ou l'analyse spectrochimique dans les colonnes des données. Cette analyse permet d'identifier le type ainsi que la quantité de particules d'usure, de contaminants et d'additifs présents dans l'échantillon. Les mesures sont exprimées en partie par millions ppm. La mesure du contenu en métaux peut vous alerter quant au type et à la gravité de l'usure en cours. C'est pourquoi il est important de fournir des détails complets à propos de la machine ou du moteur dont l'huile est testée, y compris son environnement d'exploitation. Un dossier est ouvert une fois que vous avez commencé à envoyer des échantillons pour analyse de l'huile d'un moteur ou d'un équipement. Les rapports suivants reprennent les données du rapport précédent afin d'établir une comparaison et faciliter la gestion des tendances. Des niveaux excessifs de poussière et de saleté peuvent générer un effet d'abrasion et accélérer l'usure. Les nombres surlignés dans les colonnes indiquent les résultats de tests qui excèdent un seuil d'alerte prédéfini. Il justifie un examen plus approfondi ou une intervention. Les résultats individuels sont notés pour une meilleure explication de la gravité de l'état de l'échantillon. Observez les mesures supplémentaires suivantes dans la section Tests spéciaux de votre rapport. La présence de carburant, de suie et d'eau sont tous reportés en pourcentage par volume. Une importante dilution du carburant réduit la capacité du moteur ou de l'équipement à travailler à forte charge la présence excessive de suie indique une réduction de l'efficacité de la combustion la présence d'eau dans l'huile réduit le pouvoir lubrifiant empêche les additifs de fonctionner et facilite l'oxydation l'indice d'acidité tan correspond à la quantité d'acide présente dans le lubrifiant un indice d'acidité supérieur à celui d'une huile de lubrification neuve indique une oxydation ou une contamination quelconque l'indice de base TBN mesure l'alcalinité de l'huile, c'est-à-dire sa capacité à neutraliser l'acide. Lorsque l'indice d'acidité et l'indice de base TBN ont des valeurs proches, l'huile du moteur doit être remplacée ou adoucie en ajoutant un complément d'huile. Donaldson vous recommande de respecter les intervalles d'échantillonnage définis par le constructeur de votre équipement. Si ces informations ne sont pas disponibles, respectez ces fréquences d'échantillonnage ou bien procédez à un échantillonnage lors de votre prochain entretien. Pour les équipements mobiles utilisés régulièrement sur route, prélevez les échantillons aux intervalles suivants. Moteur diesel, prélevez un échantillon tous les 15 000 km. Moteur à essence et moteur GPL, prélevez un échantillon tous les 5 000 km. Équipement autre que les moteurs, tous les 32 200 km ou 500 heures d'utilisation. Pour les équipements mobiles tout-terrain, prélevez les échantillons aux intervalles suivants. Moteur diesel, toutes les 250 heures d'utilisation. Moteur à essence et moteur GPL, toutes les 150 heures d'utilisation. Équipement autre que les moteurs, toutes les 500 heures d'utilisation ou tous les mois. Applications marines, moteurs principaux, toutes les 250 heures d'utilisation ou tous les mois. Moteurs auxiliaires, toutes les 150 heures d'utilisation. Équipements autres que les moteurs, toutes les 500 heures d'utilisation ou tous les mois. Moteurs industriels ou fixes fonctionnant au diesel ou au gaz naturel, toutes les 500 heures d'utilisation ou tous les mois. Pour les moteurs utilisés occasionnellement, prélevez un échantillon tous les 3 mois. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.